On va, ça va être difficile. Là, vous voyez, par contre, il y a... Là, vous voyez, il y a 4 points d'appui. Lui, il en a 2 et 2. Ça fait 4, d'accord. C'est la pression. Ce qu'il va falloir faire, déjà, je suis emmerdé avec mes bras. Là, je vais être embêté avec mes bras. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est bouger au maximum pour essayer au moins de sortir au moins un bras comme ça. Au moins, essayez. Et une fois qu'on a ce bras-là de disponible, il va falloir pousser ici, et là, renverser. Vous voyez, il se crée un vide. Alors bien sûr, je recommence l'explication comme tout à l'heure, je ne vais pas aller de ce côté, ça ne sert strictement à rien. Je vais aller de ce côté-là. Pour ce faire, j'ai poussé ici, par contre je reste avec ma main là pour empêcher qu'il revienne, parce que si je reviens là, j'ai rien fait pour tout ça pour rien. Donc là, ah par contre, vous voyez, je bouge un peu ici pour pouvoir mon bras hop, pousser. Comment on va faire de l'autre côté ? Alors déjà, là je suis là, hop. Alors ça peut être droite ou gauche, peu importe. Enfin, laisse-moi faire. Ouais. Là j'arrive. D'accord ? C'est pour vous montrer quand même. Donc je me décale, je crée un petit vide, je pousse. Avec mon autre bras, je vais aller prendre ici, ou je prends là, ou je pousse. Et je donne avec mon bassin. Hop! Vous voyez? Cascade. Et je reviens, moi, en calme. Ok? Avec toutes ces cascades, j'ai l'impression d'être filmé. La principale difficulté, effectivement, c'est de bouger. Hop, voilà, mon bras. Sortir ce bras-là. Ou l'autre, hein, peu importe, hein, c'est pareil. Et là, vous voyez, j'ai créé un vide, là. J'ai un peu d'air. Je respire. Et j'en profite pour, hop, pour pousser. Ça hume bon. Hein ? Ça hume bon. Ça hume bon. Ensuite, ma main, je vais aller pousser. Et là, regardez mon bassin. Et avec mes jambes, plus mon truc, voilà, je vais prendre l'élan. Et là, hop ! Et là, j'arrive. Et je me mets moi en position. Ok. Intellectuel. Si t'en les jambes. On peut aussi, après c'est plus compliqué, on est là, on ne peut pas bouger. Alors il va falloir essayer de le faire ici. Ouf. Bien sûr. Ouais, ça c'est valable quand t'as un petit gabarit. T'es avec Yves, tu fais pas. Je vous montre. Désolé. Je vous montre. Je vous montre déjà. Si, il n'y a qu'une façon. Sinon, sinon c'est ça, puis essayer de bouger et puis... Et c'est éventuellement le moins pire, c'est de se retrouver dans cette position pour pouvoir après sortir maximum. De toute façon, il va falloir bouger à un moment donné. Toute immobilisation, il faut être mobile. Il faut jouer avec les équilibres, les jambes, les bras, pas tout. Vous voyez que je remonte en...